Alors après, on prend ces deux sous-tasses, on prend son verre, tac, on va le tremper délicatement dans le sirop, d'accord? Et après, de suite, dans le sucre, d'accord? Et là, on a fait un glaçage, d'accord? Ça, c'est la première chose. Alors ensuite, il faut suivre tout bêtement les proportions. Donc, 10 de mettre 3 glaçons, d'accord, 6 centilitres de jus d'ananas. Alors, ça, ça s'appelle des verres doseurs. Voilà. D'un côté, vous avez 2 centilitres, d'accord, et de l'autre côté, vous avez 4 centilitres. Donc après, c'est marqué 2, 3, si on veut faire 2 ou 3 ou 4, d'accord. Donc là, ils disent de mettre 6 centilitres de jus d'ananas. Donc 6 centilitres de jus d'ananas, bien, ça va être très facile, puisque d'un côté, on a 4. D'accord. Donc on remplit. Hop. Et de l'autre côté, on a 2. Donc on met les 6. Voilà. On a les 6 centilitres de jus d'ananas. Après, la crème liquide, 3 centilitres. Donc là, c'est légèrement un petit peu plus compliqué. Parce qu'il faut, voilà, se servir du doseur en fonction du 3 centilitres qui est ici. Il faut mettre de la crème jusqu'ici. D'accord? Donc ça, 1 centilitre et demi de lait de coco. Alors ça, on va essayer de le faire. Qu'est-ce qu'il nous manque à votre avis? Mieux, pas besoin d'une précision non plus. Mais on va aller chercher le meilleur. Ce qu'on va faire, c'est que... Voilà. Allez, on va chercher les fleurs. 1 centilitre et demi de sirop de framboise. Voilà, ils sont bien cuisinés, ils ont fait. D'accord. Voilà, maintenant on a tous les produits. Hop. On referme comme il faut le shaker. Tac. Voilà. Et voilà. On rajoute une petite déco. Là, j'ai préparé un petit kiwi. Donc, on commence. On rajoute là. Et une petite paille. Donc là, elle était un peu longue. Je la coupe un petit peu. Et on rajoute. On commence à faire le caramel.
le sucre, d'accord. Donc on met à peu près l'équivalent, c'est à peu près 3 à 4 cuillères. Nous on en met à plus 5 parce que les poils sont gros, donc on en met un petit peu plus. Voilà, sinon c'est 4, à peu près 4 cuillères à soupe. Voilà, donc on attend que le sucre devienne un peu ambré, enfin une couleur légèrement brune. Une fois que ça c'est fait, donc on prend l'équivalent d'à peu près 20 grammes de beurre, d'accord. Tu peux, hein, c'est pas vrai. Ensuite, vous détendez le beurre dans le caramel, d'accord. Et vous mélangez bien le tout. Une fois que ça commence un petit peu à bouillir à faire des petits mois, vous prenez votre citron pour couper la cuisson. Le demi-citron, vous mettez tout le jus, hein, ça va très bien. Et donc vous mettez, ensuite une fois que ça c'est fait, vous mettez votre jus d'orange. C'est 8 centilitres. Hein. Donc je le redis, ça c'est 4 centilitres, ça c'est 2 centilitres. 8 centilitres, c'est 3. Une fois que ça c'est fait, que votre sirop est prêt, vous attendez qu'il devienne, légèrement épais, d'accord. Et vous pouvez mettre vos crèmes. Donc la première, vous la mettez entière dedans, vous l'imbibez bien de votre jus, vous la pliez en deux, puis en quatre, et vous mettez la deuxième tout de suite après. Et après on peut faire le flambage. D'accord. C'est bon. My ship doesn't need no anchor, my
take what I